الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Formule à 500 euros pour apprendre à faire la prière. Après, c'est quoi? Le hashish halal, le bistrot de la Ouma de YouTube, suivre la religion du Seigneur des mondes, c'est être extrémiste. On est en 2021, l'évolution, la progression. Eh bien, tu vois, depuis plus de 1400 ans, une lettre n'a pas changé du Coran. Ce qui évolue et navigue, c'est la passion de l'homme. Ô homme, soyez droit et juste, et ne suivez pas les pas de ceux qui égarent. Pour eux, la religion est jeu et amusement, un salon de thé où tout le monde est convié. C'est tout le contraire, l'islam est le cercle fermé des gens de la droiture. Certes, tout le monde a le droit d'y accéder à partir du moment où sa sincérité l'y a amené. $500 pour apprendre à faire la prière. Même Iblis savait que c'était stupide, exagéré. Dis-moi, il y a des gens, des toxicomanes, qui ont envie d'arrêter. Ils veulent essayer. Ils cherchent de l'aide. Combien la formule de désintox Imam Business? Imam expert en relooking, il encourage les sœurs à mettre des leggings. Et c'est parti. Et c'est parti, mais où? Tapez sur YouTube Imam expert en relooking et retenez-vous de rire. Un parasite. Un parasite qui a assassiné la honte qu'il y avait en lui. Par Allah, vous, ceux qui sont abonnés à la chaîne de cet homme, vous aurez des comptes à rendre pour cela. Lui donner du crédit à ce destructeur de la sunna. Vous l'aurez compris, j'ai fait exprès de lui donner ce grand titre qu'il n'a pas. Destructeur de la sunna est un titre que tu ne pourras jamais atteindre. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré, le fort, celui que tout le monde craignait, s'est dirigé pour détruire la sunna. Résultat des courses, il s'est converti à l'islam et a donc accepté la sunna. Omar, qu'Allah l'agré, avant sa conversion, n'a pas réussi. Toi, tu penses réussir? Il serait plus facile pour toi de détruire toutes les colonies de fourmis sur terre plutôt que d'arriver à détruire la sunna. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Connais-tu le mot jalousie? Le croyant est jaloux et ne peut encourager les femmes de son foyer à porter des leggings. C'est une religion et qui dit religion dit pudeur, respect suivi de la sunna. Où est ta virilité? Imam Business. Tu penses qu'il y a plus de 1400 ans, des croyants osaient inciter les sœurs à mettre du moulet? Tu as de la chance de ne pas pouvoir croiser Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré. Tu as fait un placement de produit avec une boucherie. C'est sur YouTube. Mais bien sûr, le propriétaire en échange ne t'a fait aucune faveur, aucune fleur. Pas de remise, pas de cadeau quand tu vas chercher ton beefsteak. Non, c'était purement pour la gloire de l'islam. Tu n'as rien gagné dans cette affaire. Voyant un homme qui vend une formule pour apprendre à faire la prière à 500 euros, qui a perdu toute crédibilité après avoir déjà perdu toute crédibilité avant ça, j'ai du mal à y croire. Allah est grand. La bassesse de l'homme humiliante.
Comment oses-tu encore t'afficher sur les écrans par Allah? Comment? L'honneur a fui loin des lâches qui vendent la religion d'Allah parce qu'ils n'ont pas les épaules pour aller chercher leur pain avec honneur en travaillant tout simplement. Ils veulent des Rolex, des Mercedes. Va travailler. C'est vrai. Pourquoi se fatiguer quand on peut juste se baisser et le ramasser? Les musulmans sont des imbéciles. Ils sont naïfs. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Désabonnez-vous, désavouez-vous de ce genre de personnes. Par Allah, sur toute chose tu seras interrogé. Quelqu'un qui incite les sœurs à porter des leggings, sous quel produit tu marches? Sous quel produit es-tu? Et les hommes, ils doivent porter quoi dans l'intimité avec leur épouse? Allez, fais-nous une vidéo et dis-nous que c'est halal. Vous savez, il y a des gens dans la communauté qui consomment du cannabis. Ça les détend. Ils font cela en cachette. Certains rendent même cela halal et prétextent le médicament. Alors il n'y a même pas besoin d'expliquer que la drogue est interdite. À cause des graves séquelles qu'elle engendre, tout le monde le sait. À part un enfant peut-être. Alors par Allah, je me demande à quoi marchent certains. Ne vous fiez pas aux apparences, aux petits sourires trompeurs de ceux qui aiment se faire passer pour des pieux. Ils sont parfois pires que ce que vous pourrez imaginer. Derrière leur petite facette de sage. Je préfère une personne qui vient à moi avec une parole dure et un cœur doux qu'une personne qui vient à moi avec une parole mielleuse et un cœur dur. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré. Méfiez-vous de ces serpents sournois. Allah Azza wa Jal dit, traduction rapprochée, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leur fils ou au fils de leur mari ou à leur frère ou au fils de leur frère ou au fils de leur sœur ou aux femmes musulmanes ou aux esclaves qu'elles possèdent ou aux domestiques mâles impuissants ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Wallahi, j'ai un bon tuyau pour toi, Imam Business. Le samedi, le dimanche, le mercredi, il y a une place au marché où tu pourras vendre des leggings. Cela te rapportera beaucoup. Saisis ta chance, Imam Business.